Et oui, vous êtes nuls aux jeux vidéo, et vous le savez en plus. T'as pas honte, sérieux? Bon, comme vous le savez, j'ai de plus en plus de projets qui tournent autour de Minecraft, d'autres vidéos et surtout mon serveur TempoCraft. Plus d'infos en description. J'aimerais profiter de ce petit moment de calme avant la tempête pour revoir les bases avec vous. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo très simple. Un tutoriel qui vous apprendra les meilleures façons pour finir Minecraft. Drop dadou, y'a pas de fin à Minecraft, c'est un jeu infini, la seule limite c'est ton imagination. Bouge de là frérot et désabonne-toi. Quand je dis finir Minecraft, je parle évidemment de tuer l'Under Dragon. Eh oui, c'est une fin symbolique. On sait que le jeu se finit pas vraiment ici. C'est comme Pokémon avec la Ligue Pokémon. La première chose à faire pour se diriger efficacement vers la fin de Minecraft, c'est couper du bois. Le bois c'est super utile. Tu peux faire des outils, des torches et même des escaliers. C'est pas un truc de ouf, sérieux? Évidemment, je plaisante. C'était pas vraiment le début de la vidéo. Je t'ai bien eu. Astuce numéro 1. Fais-toi de la bonne bouffe. Pour rouler sur le monde de Minecraft, faut évidemment remplir sa barre de faim au maximum. C'est quelque chose de chiant, on n'en a jamais fini. Bref, la nourriture dans Minecraft, c'est un calvaire. Alors voici ma première astuce. Au lieu de faire comme tout le monde là, un élevage de vaches pour manger des steaks, ou un champ de patates pour manger des patates, on va faire de la vraie bouffe. De la bouffe de bonhomme. Ici, on est raffiné, notre perso Minecraft aussi. Alors cultive de la pastèque, de la patate. Ben oui, ça y est, t'as compris, on va bien manger là. Au menu, petite pomme de terre sautée avec son poulet mariné. Et là, t'es sûr que la faim dans Minecraft, ce sera plus jamais un problème. Astuce numéro 2, bats-toi comme un guerrier. Et oui, dans Minecraft, on a toujours tendance à se battre avec une épée en netherite. Enchanté, tranchant 5, châtiment 3, butin 3, solidité 3. Non? Pas vous? C'est pas original du tout. Voilà, c'est dit, je balance les termes, au bout d'un moment, faut parler. Va te chercher un trident, ou bats-toi avec des armes que personne n'utilise. Et là, j'entends déjà les rageux me dire « Drop dadou, ça fait pas de dégâts !» Dans mon monde, ça fait des dégâts. Ok? Ça fait au moins ça de dégâts. Astuce numéro 3! Ne joue pas seul. Non, t'inquiète pas, je vais pas te dire de jouer avec des amis. On sait tous les deux que t'en as pas. Mais heureusement, dans Minecraft, il y a plein d'animaux qui sont prêts à devenir tes amis. Tes vrais amis, qui t'écouteront. En tuant des squelettes, tu récolteras des os. Et avec ces os, tu pourras adopter des chiens. Adopte des chiens! Tu peux aussi adopter des chats. Miaou, miaou. Tu peux devenir pote avec un axolotl. Axolotl? Axolot? Et même avoir une petite allée qui te suit et qui se bat à tes côtés. Sans se douter que tu es une personne exécrable. Une fois que t'as monté ton zoo, tu peux aller fumer l'Under Dragon avec tes chats et tes chiens. Et ça, c'est la classe, tu vois. Astuce numéro 4! Sois pas un mouton! Et non, je parle pas de l'animal, chacal! Sois pas un mouton, sois pas comme tous ces autres joueurs qui font tous la même chose, qui suivent tous le même chemin sans réfléchir et sans prendre aucun plaisir! Je passe un coup de gueule carrément là. Couper du bois, miner, aller dans le nether, craft des yeux de land, portail de land, dragon, fin du jeu. C'est fun ça, sérieux? Je vais te prouver qu'on peut aller dans l'end sans avoir besoin de faire tout ça. Tu mines jusqu'à la couche 20 à peu près. Et ensuite tu creuses tout autour de toi. Mais genre tout autour de toi. Hein. Genre là, tout autour de toi. Tu fais ça jusqu'à trouver le stronghold. Et te voilà au portail de l'end sans même être allé dans le nether. T'as juste à miner dans toutes les directions pour ratisser la map et trouver le stronghold. C'est tout, c'est simple, c'est tellement simple. Astuce numéro 5. Triche. Ah désolé, tu t'attendais à une dernière astuce de zinzin là? Eh ben, c'est pas le cas. Ah non, attends, c'est écrit quoi là? Eh ben, c'est le cas. Eh oui, triche mon gars, active les commandes sur ton monde solo. Un petit coup de slash game mode créative et ça vole. Un petit slash locate stronghold, on se téléporte, ouvre ton inventaire en créatif, tu prends les yeux de l'end, t'ouvres le portail et tu vas fumer le dragon à la main. Déjà, tu vas battre une bonne partie des speedrunners. Regardez, bande de nuls, je finis le jeu plus vite que vous. Comment ça, c'est pas fun? Ah, d'accord. Donc là, ma vidéo, elle s'appelle « Comment avoir du fun sur Minecraft ?» Bah non. Bah non, non, non. Comment finir Minecraft? C'est pas avoir du fun, quoi. On s'en fout du fun. Ça sert à rien. Après, voilà. Pas forcer qui que ce soit à tricher, mais pour moi c'est logique, enfin après.